Et eh bien bonjour YouTube, salut à tous et à toutes, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement excité de vous annoncer pour ceux qui ne sont pas trop au courant euh, qu'il y a de gros changements sur Hearthstone. Trésor de la tombe, d'anciennes cartes peuvent rejoindre votre collection pour une durée limitée. Euh, très très gros grosse news, dont on est au courant depuis quelques semaines maintenant. Euh, plusieurs cartes qui reviennent du coup du set standard, qui reviennent sur le set classique, donc du coup, euh, du, du, du wild qui reviennent en standard du coup. Donc euh, dont Torisan, Sylvanas, le conservateur euh, qui revient. Ragnaros, celle que j'attendais le plus. Attention Communion astrale une carte euh, qui nous a beaucoup marqué. Hein. Enzot, euh, assez sympa. Enzot qui sera probablement joué. Appel de la nature, elle a été nerfée celle-là. Je pense pas qu'elle sera. Ah, peut-être, je ne sais pas. Euh, Kune, du coup, prêt à tirer. Euh, Grimoire Bavard, Atlas Flamme, cette carte-là qui, je pense, va être très très forte en match tempo. Le Venge également qui revient, et pas tout seul, puisqu'elle revient accompagné de l'Adversaire Mystérieux. Vous vous en souvenez, mesdames et messieurs, l'une des cartes les plus fortes de l'histoire d'Airstone, l'une des cartes qui a, qui a eu le power level, qui a, le, qui a fait le plus rager euh, des gens, tout simplement. Vol'jin 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 euh, Qui revient. J'avais même pas fait gaffe que Vol'jin revenait. Alors, Vol'jin n'a jamais vraiment été joué. Peut-être qu'on trouvera des bons decks à jouer avec. Boom de la lumière Qui revient également. Fief et Forban. Chakou Évolution. Euh, chose venue d'en bas. Plutôt cool. Euh, chef du gang des Débutants. Peut-être pour un petit zo sympathique. Parjurer les ténèbres. Euh, Brave Sabot de sang. Et Varian. Voilà, voilà. Beaucoup de cartes qui reviennent. Alors, pas de panique. Si vous avez désenchanté ces cartes, Blizzard vous les prête pendant une petite durée. Oh alors, on va venir à ça. Euh, Blizzard vous les prête, donc si jamais vous avez désenchanté les cartes, ce n'est pas grave, vous allez les avoir pour une durée de deux mois. Vous les avez puis ensuite ils vont les re de standard. Donc c'est juste pour une durée de deux mois. Euh, et remettre les anciennes cartes qui étaient euh, les cartes les plus emblématiques du jeu, tout simplement de l'histoire du jeu. Euh, donc toutes celles qu'on vient de citer. Au, au dessus de ça, euh, en plus de ça, pardon. Il rajoute une nouvelle euh, de nouveaux héros donc de nouveaux skins d'héros pour tous les gens qui ont plus de 1000 victoires. Donc jusque là si vous avez 500 victoires en classé avec une classe, vous gagnez un, euh, un skin en doré de la classe. Bah maintenant vous avez de nouveaux skins également pour les 1000 victoires. Donc voilà, nous on débloque celui de Malfurion. Celui de Rexar, très très beau. Avec cette petite flèche comme ça là, très stylé. Celui de Jaina waouh, il est beau aussi j'avais pas vu euh, comme ça animé j'avais vu la, les photos euh, ok Paladin Uther centre de forge ok euh, roi Anduin oh yo 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 mais pourquoi je, je vais même pas jouer les autres skins en fait je vais jouer ça euh, Captain Valira ok elle est très stylée je sais que j'aime pas voleur mais elle est très stylée après ils ont pas Kingsman non non euh, Shaman le héros Thrall, ok ok euh, Guldan Guldan il, il est stylé, on dirait euh, comme dans le film. Euh, ok, euh, Garoche le corrompu. Ok, waouh, Garoche il est stylé aussi. Avec les petits yeux qui, qui bougent là, très très beau. Euh, et, euh, et il nous donne. Euh il nous donne des petites euh, admissions d'arène. Et il nous donne un cadeau, c'est un booster. Nice. Merci pour euh, le booster. Oh, encore des boosters. Nice. Okay, merci pour... Encore des boosters. Nice. Mass booster. Putain, il nous régale. Blizzard, c'est la tournée. Ça fait plaisir. Donc, j'ai pas un truc d'arène, je crois. Que le nombre de passes d'arène que j'ai, j'en ai 6. <laughs> euh, merde, comment je fais Ok. Euh, retour. Euh, on va ouvrir les boosters plus tard. Moi, j'ai très très hâte de jouer un deck en... En particulier, alors on va jouer vraiment plein, euh, je suis en stream à l'heure actuelle sur Twitch.tv, sachez que je vais streamer très régulièrement dessus, euh, du Hearthstone désormais, puisque normalement bah, on stream un petit peu plus du TFT, donc voilà, il faut bien que je stream un, un petit peu d'Airstone. j'ai trop envie de streamer du Hearthstone, et je vais streamer du Hearthstone ici même. Donc euh, voyons, voir, euh, voyons voir un petit peu euh, quest ce que je vais jouer moi. Ah oui, attendez, il est où mon, mon, mon chaman euh Big Shaman, le voilà. Le Big Shaman, alors celui-là, celui là ça va être le feu. Donc le Big Shaman, c'est une classe, c'est une carte, c'est une classe qui a beaucoup de. Attends déjà, on va mettre Ah, Chef de guerre trall let's go, Chef de guerre trall On va voir s'il a des nouvelles émotes, etc. Euh, et euh, c'est une classe qui a beaucoup danti et beaucoup de heal, etc. Et en fait, on va invoquer les, les créatures avec des cartes comme Eureka, avec des cartes comme euh, euh, comment ça s'appelle Fonge morphe. Euh, comment ça s'appelle Leur flagrant. Des trucs comme ça. Donc là, nous, qu'est-ce qu'on va faire On va enlever Agatha la sorcière. Euh, qu'est-ce qu'on peut enlever Grand grand méchant archimage Ah, c'est pas mal comme ça. Euh, on va enlever. Ah, ça me fait chier d'enlever grand méchant archimage. Non Est-ce qu'on l'enlève Je sais pas. Alakir Alakir, au pire, on l'enlève, non Au pire, Alakir, on s'en fout, non Qu'est-ce qu'on en. Qu'est-ce qu'on s'en fout Les frontales on peut pas on a besoin de heal. Isera si on enlève Isera Ah ça me trouve un peu... ça me, ça me fond un peu le cœur mais. <laughs> mais c'est pas grave. Euh, donc là, carte à la une. Voilà. Ah non mais, attendez, parce que moi je les ai moi. Attends. Non, carte standard. Carte standard. Et on va regarder Ragnaros, par exemple. Bah. mais je l'ai en doré. Ah bah non. Là comment ça Attends, moi je les ai en doré. Attends attends, attends, attends. On est obligé de les jouer comme, comme ils sont là? Bah. Bah non. Oh bah non Oh non Oh non oh, je les ai tout en doré, Sylvanas, Noissan et tout ça Oh non Ah je suis déçu. Je suis déçu. Bon c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, je, euh, moi, je je suis surtout content de pouvoir les jouer. Euh, Il te donne une copie. Euh, pas doré, hein, Blizzard trop idiot. Non, mais oui, c'est dommage parce que pour les gens qui les ont pas désenchantés, moi je pensais que les gens qui les avaient désenchantés les avaient, mais les autres ben, ils pouvaient les avoir comme ça. Bon, c'est pas, c'est pas, c'est pas la fin du monde. Donc j'ai envie d'entrer en Ragnaros absolument et bah je vais, ah j'avais enlevé, euh... je vais enlever des trucs non J'avais enlevé Agatha la sorcière, oh, ça passe, pas ça va regarder, ok. Mais il est cassé le jeu. Ah, ça laisse des trous comme ça maintenant Ah, il faut que faut... c'est un texte à trous le truc. Si je le mets là par exemple Ah non, voilà. Okay. Euh, et j'ai envie de rentrer Taurisan aussi. Toto il est sympa, Toto. Toto il est toujours sympa, Toto. On aime bien. On aime bien, on aime bien, on aime bien. On va lui une tempête de fou. On va lui une tempête de fou. Ouais oh, allez, allez hop, comme ça on a une créature en plus. Ok, on va essayer ça en premier. Je vous mets le lien dans la description bien entendu, vous êtes au courant mesdames et messieurs Et puis, euh, et puis voilà, on va kiffer un petit peu un stream, donc je vais pas mettre de musique hein, pendant cette game pour les gens qui sont là sur le live euh, et, euh, et on va aller jouer euh, nos cartes préférées Je suis vraiment très content, c'est la première fois de ma vie que je stream du sur ma chaîne perso Et euh, c'est super cool, ça fait plaisir, ça fait deux semaines que j'avais pas streamé d'Hearthstone Et, et ça, fait, ça fait très très plaisir Allez à Ragnaros, quoi, ça va être beau. Hein. Ça va être beau. Et va avoir, ça va, être, euh... ça va être une vidéo riche en émotions. Celle-là, <coughs> les skins, mon goulin. Mais j'avais changé. Oh la mince, ah, j'avais changé le skin. Ça a remis le même. Mince, ok, bon, mais c'est pas grave. Moi, vous voulez pas. Hein. Écoutez, je suis un peu trop excité pour euh, réfléchir de manière euh, euh, visant, vous tant Regardez ça. Hein. J'ai bien raison. Je suis un peu trop euh, excité par, par les news là pour, euh, pour réfléchir euh, normalement. Ok, alors. Alors, j'utilise euh, un tracker qui s'appelle Airson Top Deck et il vient de crash complètement. Il comprend plus rien parce qu'il y a de nouvelles cartes et il comprend pas. Il y a des, il y a des cartes, il ne sait, sait plus quoi faire parce qu'il <laughs> euh, ne qu comprend rien. <laughs> ok. Donc, ça, c'est un quête. On va mettre un petit peu la musique du jeu. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Bah, J'avais mis, euh, mis les machins, mais ça, ça les a enlevés. Putain, c'est la meilleure décision qu'ils aient prise depuis très très longtemps. Ouais, un son top deck marche plus. Un son top deck est juste crash. Tu peux quatre visions envoûtantes, je pense. Pourquoi Pourquoi tu veux que je 4 visions envoûtantes J'aime bien moi. J'aime bien moi, pourquoi je jouerai Ok, hop. Esprit euh, hum, ancestral. Pourquoi pas Hop, W. vue. Contre un druide. Contre un druide, mesdames et messieurs. Wait, what? Ok, 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 let's go, let's go! Let's go! Putain, je suis trop content! C est, c est, faut savoir qu'en fait, moi, c'était mes cartes préférées déjà à l'époque. Et quoi, elles ont disparu? Pourquoi je les ai pas des craft Parce que j'ai toujours adoré ces cartes-là. J'ai toujours été en mode, putain, c'est les meilleures cartes, je les adore. Et à chaque fois que j'avais besoin de poussière et que j'allais désenchanter, j'étais. Ah, en... oh, je pouvais pas, j'étais incapable physiquement de les désenchanter. Je les aimais trop. Donne-moi une deuxième comme ça. Ah, C'est bien ce conseil. Euh, Peut-être que je vais commencer avec ça d'abord, comme ça juste, s'il a... En fait, a un anti-bet, il va d'abord euh, se concentrer là-dessus. Et ensuite, il n'aura plus rien pour gérer Ragnaros. Moi, j'ai envie que Ragnaros il reste pendant 10 tours. J'ai envie qu'il reste pendant 10 tours et il colle de grosses pa... des grosses patates. Par le feu, soyez purifiés Ok, donc là, il a à combien sur sa quête lui Il a 4 déjà Waouh. Pas mal 4. Okay. Peut-être que j'attends un tour et je fais ça et ça. Peut-être que j'attends le tour 6, non Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous en pensez sur le chat Euh, euh, le, le normal que j'ai pas les nouvelles cartes, il faut quitter le jeu et revenir. Pas quitter la game. Tu dois éteindre le Blizzard Bat Battle.net, euh, pas Hearthstone, euh, et tu dois te reconnecter. Si étais déjà connecté avant, c'est normal. C'est normal. Ah le Halo, que j'ai manqué une étape, euh, tu as été viré d'arma ou talk autorise le stream Hearthstone. Bah arma stream du euh, TFT en fait. Donc c'est avant on avait pas le droit de streamer du Hearthstone parce que bah on faisait concurrence à, à la, à la à l'autre chaîne en fait, donc euh, c'était pertinent que tu faisais pas concurrence à tes propres amis, tes propres collègues. Mais maintenant qu'ils stream que du TFT, ça me paraît logique qu'on puisse streamer du Herson. Ok, le est-ce qui part, ok, comme je vous ai dit, moi j'ai juste envie qu'il claque un peu ses, ses anti-bêtes, hein, voilà finalement, et qu'ensuite il va se prendre. Ah ouais, oh Eureka, c'est bien ça, ça, donne, ça met une copie. Ouh, yey, yeah tape là, tape là, ouh, ok. Il est encore un peu rebelle, je l'ai pas encore bien dressé, Argnaros, Je l'ai pas encore bien dressé. Non, il y a pas de soucis, pas de soucis. Je l'ai pas encore très très bien dressé, vous savez, c'est... C'était des années des années de dressage pour qu'il devienne. pour qu'il m'obéisse au, do au doigt de la lettre. C'est pas ça l'expression, mais euh, refaites-la dans votre tête. ok, d'accord. Donc voilà, je vous ai dit, hein, il a beaucoup. Parce que bon, il a beaucoup de removal quand même, mine de rien. Mais là, sur ce tour, il va se ça et ça, mon pote. Il va avoir flou. Il va avoir flou, moi je vous le dis. Hop! <laughs> Par le feu, soyez purifiés insecte, oui, let's go, une de moi. Ok, et là maintenant on va juste faire en sorte qu'il reste sur le bord toute la game. Oh là là, et j'ai plein d'autres decks à jouer, je suis vraiment très très content. C'est le meilleur truc qu'ils aient fait Blizzard. Alors malheureusement c'est le meilleur truc qu'ils ont fait parce que pendant 3 ans ils ont fait que de la merde. Alors certes, vraiment, euh, pendant 3 ans, ils ont pris que des décisions nulles. Et ils se sont rendus compte que tout le monde se cassait du jeu, et au bout d'un moment ils se sont dit Ok, on va remettre tous les trucs qu'on a. On va on va changer toutes les décisions qu'on a fait, on va juste faire l'inverse. On va juste tout remettre. Euh, on va dire Vas-y, c'est bon, récupère toutes les cartes que vous aimez bien. Mais c'est bizarre, on va que les enlève ces cartes-là, parce que c'est vraiment bien. Euh... <laughs> Je vais taper avec Ragnaros, comme quoi j'ai plus l'habitude. hein. Death, merci pour le follow, mon pote. Bienvenue à ta. Bienvenue, bienvenue. Donc, euh, n'hésitez pas, hein, je vous mets le lien euh, dans la description de ma chaîne perso twitch.tv/slash broello et vous me retrouverez dessus en live assez régulièrement sur du Hearthstone notamment euh, pour essayer un maximum de nouveaux decks euh, en avant-première avant de les mettre sur YouTube. Donc, je vais m'entraîner un peu ici, je vais faire plein de decks, etc. Et quand j'arriverai à un deck, bon, celui-là, je, je vais le prendre direct parce que j'étais trop excité et j'avais trop hâte de jouer euh, tout simplement les nouvelles cartes, mais. Je pense que d'ici euh, une semaine il va commencer à avoir des vrais decks très forts avec ces cartes là. Je pense notamment le Majatis Flamme par exemple. Euh, et, euh, et voilà, ça sera le moment de... Ça tape à tout le monde. Euh, et je pense voilà qu'on pourra euh, faire le bons trucs. Euh, attendez, parce que là si je fais... Maléfice là. Comme ça. Et tempête de fou. Hop Et ça se top là, là. Ok. Allez, argonce montre leur un secteur, un secteur Bam, c'est HP. Yes. Ah par contre... Peut-être qu'il fallait pas tomber de foudre. Alors je me suis un peu euh, emballé, hein. <laughs> je me suis un petit peu emballé, je crois. Comme Parama fait du TFT, maintenant vous avez encore le droit à faire du TFT sur les perso. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas... J'ai pas de réponse à ça. Et, écoutez, la communication n'est pas très facile hein, avec les Willis, je sais pas du tout. J'avoue avoir demandé, j'ai pas eu de réponse claire. Hein, j'ai c'est pas pas une réponse que quasiment euh, donc, euh, donc voilà je ne sais pas je ne sais pas du tout après euh, moi je, je ne ferai aucune je ne prendrai aucune décision qui pourrait nuire à arma euh, maintenant euh, le détail des trucs je, je ne sais pas je aussi une confiance aussi qui s'installe avec le temps Ah non Ok les gars, je viens d'avoir une nouvelle idée de deck <laughs> Les gars les gars les gars Attends, bougez pas Je viens d'avoir une nouvelle idée de deck Vous m'en direz des nouvelles C'est un druide <laughs> Un druide quête Non mais là c'est pas cool en plus ce qu'il a fait C'est compliqué hein, je pense Non mais là en vrai c'est ouais c'est complexe hein. Il dit Odor Odor il dit Odor Il dit Odor les gars Vous, vous savez pas parce qu'il tape jamais Je pense c'est juste ça en vrai. Je vais ça un petit peu. Il dit Odor Vous savez ou pas Quel joueur malhonnête C'est vrai qu'il est malhonnête quand même. C'est vrai que cet adversaire est, a, 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 a l'air d'être très très malhonnête malheureusement. Hein. Ah malheureusement là, euh, oui, oui. Tout à fait, tout à fait. Non, tu as raison, tu de, j ai, j ai... Les UVAC sur mon stream perso sont souvent très perspicaces, ça faut le savoir. Nous sommes contre un adversaire d'une malhonnêteté sans précédent. Mais heureusement mesdames et messieurs, nous avons plus d'un tour dans notre sac, puisque nous avons encore dans notre deck Torisal et Sylvanas. Et ça c'est cool. Ok, tiens, on va te donner ça d'abord. Hop oh, yeah oh il a pas fait son cri de guerre oh, son, son effet de fin de tour. Dommage ça. C'est dommage ça dit donc Voyons, voyons. Temps, je pourrais peut-être il et tout. Mais là, il pourrait faire Météor là-dessus. Mais en fait, ouais, je pense qu'il va le gérer ça. Le T10 peut ramener Sylvanas. Comme ça. Comme ça, ramener Sylvanas. Ah, ça Ah, oui, du coup, ouais il peut ramener Sylvanas aussi. Oh ah, ouais. ouais On va bien s'amuser, les gars. Hein. On va bien s'amuser, je le sens. Je sens, les gars, qu'on va s'éclater. Ok, on va juste prendre ce trade. On va faire ça et ça. Hop On va ici deux fois. Voilà oh, Aïe yeah, yeah, aïe yeah, aïe yeah, aïe aïe, l'archimage Oui, oui, du coup, oui. Totalement, totalement, totalement. Donc là, on a invoqué un massacreur du temple. Aïe 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 Putain, je crois que c'est la meilleure chose que Blizzard ait faite depuis 6 ans. C'est ça. Honnêtement. Bah. Après avoir enlevé tous les trucs. Euh, revenir sur leur décision, c'est le meilleur truc. Euh, c'est pas facile, hein, ça peut paraître facile, mais en vrai, c'est pas facile de revenir sur sa propre décision. Euh, notamment lorsque euh, vous êtes une boîte très fière, hein. c'est très dur de, de se dire Ok, on a fait que de la merde, on va, on va retourner en arrière. Après, des fois, euh, bah, quand t'as plus de joueurs, t'as plus de joueurs, donc t'es pas obligé. Quoi, mais... Ok, donc il va tuer les deux, il va pas tuer ça, j'imagine. Aïe ah, aïe 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 aïe. Mais après, il s'essouffle, hein. là, il est en train de. Il, il, on le pousse dans ses derniers retranchements, les gars. Mais c'est pas fini BAM Un autre mécréant, non comment ça s'appelle ça Grand méchant archimage Qui a Le météorologue, donc c'est exactement ce qu'on voulait en plus Ça tombe bien, ça tombe bien Je voulais pas avoir trop de dégâts sur la game, sur le board Ça aurait été chiant, tout simplement euh, donc, euh... Ah ouais, faut faire gaffe hein, ça, peut ramener, ça peut ramener ça Après si ça ramène ça, c'est pas plus mal En fait, aucun des deux n'est nul Dans tous les cas, ça revient à peu près au même Ouh Hurle sans lol Oh, c'est bien ça! Ah, je joue. Sylvanas? Oh, yes! Oh, let's go, let's go! Let's go, let's go! Le taunt? Oh, ouais, putain, il va me jouer dans pas longtemps. Euh, L'autre qui a repris C6, c'est chiant ça. Après j'aurais ça. Hein. Non parce que... Après... Il faut pas qu'il joue... Ok ça se trouve il l'a pas. Nomi. Ça se trouve il l'a pas Nomi. De toute façon. Il y a de fortes chances qu'il l'ait pas quand même. Non mais là il a géré 25 Ragnaros... Euh... Non c'est impossible. En vrai, en vrai moi... Oh. <laughs> T'imagines le mec il switch sur la vidéo, tu sais il est au tout début Je suis là en mode OUAIS LES GARS <laughs> Et après il switch il fait ouais bah vas-y je vais regarder comment se passe la game tu vois Genre il a pas trop le temps de te regarder tu vois Il switch et il arrive là Pourquoi okay, il a joué ça Ah non ça ramène un truc à tout le monde ok j'ai oublié Oui j'ai oublié désolé Ça fait longtemps que j'ai pas joué ce deck Oh il veut doubler sa nomie Malin malin le sphinx Ok pas de soucis les gars J'ai plus d'un tour dans mon sac Donc ça on va le laisser hein. Ça, mon pote, on euh, va te laisser plus chez mon bro. Ah, ouais, 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 c'est bien ça. Ah, oui, 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 continue, hein. donne-moi d'autres trucs comme ça. Donne-moi d'autres trucs comme ça, mon poteau. Ok on fait ça. Bam. En vrai, attends. Parce que là. Si je tape là. Ensuite, je le heal. Ensuite, je retape dedans, je le re-heal. Je le laisse hein. Sanomi sera juste moins forte en fait. Et moi je bourre comme Jaja parce que rappelons-le quand même, il a la fatigue le monsieur. Il est la fatigue, oui oui oui. Ah putain là c'est un peu compliqué là, non non Tu joues Zefris Non j'ai pas moi. J'ai moi. Moi j'ai pas les créatures en deux exemplaires. Enfin en un exemplaire, moi j'ai deux. Ok. En vrai là. En vrai En vrai on a gagné, non Je crois hein j'ai du mal à savoir. J'ai l'impression qu'il nous réserve un mauvais tour. <laughs> j'ai l'impression qu'il a plus d'un tour dans son sac là. Il a joué qu'une tout à l'heure. Alors, je sais pas, on va Aïe 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 aïe. Mais c'est bien, j'ai l'impression d'en découvrir le jeu. Si oh, il traite comme ça, c'est cool. Oh non, il traite pas comme ça. Oui, il traite comme ça. Non, 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 pas là, pas là, pas là. Ah putain, j'aurais bien aimé que ça ça meurt pas en fait. Après, s'il joue pas Nomi sur ce tour là, il va prendre de grosses, grosses baffes. Rappelons que lui, il revient à la vie euh, full life. Hein. Enfin. Non, pas full life, il revient à un HP, mais il a bouclé divin. C'est cool. Ok, va bah trade les deux là. Non, non, il faut, faut pousser parce que là... Euh... Oh. Oh bah c'est nul ça Oh c'est nul ça, nice Ok, non, oui, bien ça Oh c'est super pourri Oh le noob Ok, cool. Hein... Huh. C'est bizarre ça. Attends parce que là il a invoqué 1, 2, 3, 4, 5, donc il a minimum 5 sorts dans la main, donc il reste 3 cartes. Ça c'est 3 mana donc ça doit être quoi Des euh, abeilles ou une connerie Ça ça doit être... Est-ce qu'il a un truc Non ça peut être un gisement Ça c'est quoi C'est quoi ce deck qui joue 6, 4 6 c'est quoi 6 Nourrir 4 c'est quoi Balayage Cet HP c'est quand même pas mal. Là en vrai il prend 3. à tout moment là si s'il si veut jouer Nomi, il prend BAM patate dans sa tête, il prend 4 au prochain tour, on le rappelle. Et lui il a une épée de Damoclès au dessus de la tête. En hurlement féroce 3. Ah oui hurlement féroce c'est vrai. Et les 6 ça, ça doit être euh, fontaine d'Oasis. Ok. Euh pas fontaine d'Oasis, Oasis caché Fontaine d'Oasis, j'ai mélangé avec celle du chaman, c'est la fontaine euh, de jouvence là, celle que j'ai jouée tout à l'heure. La 4-8. Ok ok. Attendez, attendez, parce que là, c'est le, le moment où là nous on peut faire des, euh, des folies hein. Ok, balayage là parce qu'il y a ça. Ok, ok, malin, malin. Oh le bilan Ça vient d'arriver Yay yeah Oh il est puni Ok. Parce que là, en fait, en se soignant comme ça, ce qu'il voulait, c'était qu'au prochain tour, il puisse jouer Nomi. Alors moi, effectivement, j'avais toujours la possibilité de maléfice pour mon truc mais... ah, non, pas contre Kimer, mais... Alors, passer Naru... Non mais il a des trucs à tous les tours, vous avez vu ou pas Oh Infâme Oh c'est bien ça T'as déjà réfléchi Trade Non mais ça suffit les tonnes Est-ce qu'on peut lui coller une patate à 10 là Ouais vas-y doux. BOM Oh j'aurais peut-être dû garder le bouclier divin ici en vrai Bon de toute façon elle a perdu au prochain tour quoi qu'il arrive. Hein. En lui collant 10 en fait on sait qu'il a perdu au prochain tour par contre ça il pourrait avoir une autre fontaine mais... Mais après c'est 6, après c'est 7, après c'est 8 donc euh, il est plus ou moins cuit hein. Il est plus ou moins cuit ici. elle a, a dit quoi Sylvanas c'est quoi sa phrase déjà Attends c'est quoi sa phrase Attendez, je n'ai pas le temps de m'amuser, c'est ça Ah c'est ça, ça. J'ai pas entendu, j'ai entendu il y a je n'ai pas le temps dedans. Oh il a mis un taunt Ok. Il a eu une charge et un taunt donc peut-être il pouvait genre trade comme ça et tout. Bah c'est que dans tous les cas il mourra à la fatigue. I have no time for game Ah c'est vrai, c'est vrai Ok on se en refait une petite game mesdames et messieurs On est en record C'est sur Youtube pour les gens qui nous rejoignent un petit peu sur Twitch Ça fait plaisir Bonsoir à tous Bonsoir, bonsoir Alors Ok un voleur. Qu'est-ce qu'il nous réserve le voleur Qu'est-ce qu'il a récupéré le voleur Est-ce qu'il a récupéré un truc incroyable Est-ce qu'on devrait se méfier d'un truc que pourrait, qui pourrait nous tomber dessus Oh les skins, j'ai oublié les skins. J'ai oublié. Je suis le pire joueur. Je suis le pire joueur. Je suis le pire joueur. C'est, c'est terrible. C'est, pour ça que vous m'aimez, non Non Ah non, vous m'aimez pas en fait Ok. Fief fait fort bon et chaque coup pour le voleur. Ah oui, c'est vrai. Bah je sais pas si Fief fait fort bon, ça donne envie de jouer voleur. Mais putain. Ah oh, j'avais tellement envie de jouer les skins. J'ai récupéré les 9 skins des 9 classes et je peux pas les jouer. Enfin, c'est pas je peux pas. C'est juste que je suis un peu, un peu con, quoi. Aïe <laughs> aïe aïe, je m'en veux. Je suis désolé. Pour rattraper ça, je vais high roll cette, po cette game comme un cochon. Pour rattraper ça, mesdames et messieurs, on va, mesdames et messieurs, high cette game comme des porcs. On veut pas de surcharge. Muté, ça me paraît décent. Muté, ça me paraît ok, muter ou, ou totem. Ouais vas-y ça c'est bien ça aussi. Oh vent obéissez-moi Alakir, seigneur des vents let's go Incroyable Là mon écrium ok Ah dans ma tête ok Nice Oh euh, c'est cool ça On va faire au prochain tour avec Eureka Oh non je pourrais juste faire à la aussi On va voir on va on va réfléchir on va réfléchir En fait c'est ce que Eureka j'aimerais bien que ça ramène ça ou une grosse créature Donc au moment où j'aurais la aller à la en fait il est bien mais tous ces caca ils coûtent pas cher de base donc j'ai vraiment envie que ce soit à la caca Je pense pas Je pense pas putain je suis trop content Je suis beaucoup trop content Je suis content C'est trop bien C'est trop bien ce qui se passe C'est beaucoup trop bien ce qui se passe vraiment Va c'est moi Aïe 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 Alakia C'était ma carte préférée au début du jeu Alakia. Après c'est devenu Isera. Je rêve, le monde tremble. Mais au début c'était Alakia. Je trouvais trop stylé. Comme des insectes que l'on Comme des insectes que l'on c'est quand j'ai commencé le jeu, au tout début, hein, vraiment, et je, je sais, je, au début tu les as pas les cartes, mais tu sais, tu le, je la voyais, euh, dans, tu sais, il y a des, des gens qui l'ont joué contre moi, quoi, et j'étais en mode, Waouh trop bien ce qui se passe. <laughs> ok, donc là il faut que je te décache une créature absolument, si possible Ragnaros. Ok, non peut-être pas le moment idéal pour te décacher Ragnaros, vu qu'il a plein de trucs euh, tout petit là. Non mais là c'est... Ah, c'est vrai qu'il est très malhonnête de ça. Non mais là c'est dommage. Parce que Eureka... Ça ramène lui du coup. Du coup lui il ramène qui Enfin il se ramène lui-même Ah ouais mais après il faudra qu'il tue les trois ça veut dire. Et puis, on commence avec vision envoûtante on voit ce qu'on a. Manœuvre d'Agata, c'est cool. Ensuite on fait Eureka et ensuite on fait tempête de fou. Bim baboum. On tue ça, c'est possible. Ok, on tue rien. Superbe, top. Une tempête de fou qui n'a servi à rien. Superbe. Ça pouvait pas être pire. Euh, on va taper 2 et deux sur ça. Ok, ok, au top, hein, au top. Ça fait plaisir. Au, au moins, au moins on n'a pas perdu la main. <laughs> au moins on a pas perdu la main, les gars. Après au pire moi j'aurais ça, c'est juste ça ça me fait chier parce que lui va invoquer lui ok mais lui va invoquer quoi Il faut vraiment que je tombe avec une créature là. J'ai vraiment beaucoup de créatures très sympathiques. Là on peut penser évidemment directement à Ragnaros mais on peut également penser à euh, le, 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 le malfrat qui invoque le C6 qui invoque plein de tour 6. On peut penser à Torissan, on peut penser à Sylvanas, on peut penser au Colosse hein, bien entendu, la carte qui a, qui a été faite à notre effigie on le rappelle. Le Colosse de la Lune. Euh, le... le on peut, euh, euh, la, la fontaine aussi, la fontaine ici qui heal, hein, la fontaine qui est pas mal. Le, le Ziliax aussi, Ziliax qui, qui est plutôt chouette, il faut l'admettre. Euh, et puis. Euh, euh, enfin bref, toute une multitude, une variété de cartes qui pourraient être très intéressantes ici dans notre deck. Je, je connais pas toutes par cœur, je viens juste de faire le deck. Je connais pas toutes par cœur. On s'amuse bien. Euh, allez, Axel. Allez, 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 Axel, il y a la corde là. Hein. Allez, faut y aller maintenant. Non, 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 non mais fais pas, chier. fais pas chier tout le monde là. Tu vois bien que c'est désagréable. Et faut, faut taper d'abord, hein. t'imagines, là j'avais un taunt, comment tu faisais Bon, c'est pas très grave de bien jouer quand on chatte. Hein. Le mec il a trop l'sem. le seum. Euh, non, mais là, ouais, c'est pas grave, après tout, tu chattes comme un porc. <laughs> non, mais c'est pas. Tu pas... te prends pas trop la tête quoi. Ok, ok, donc là, idéalement, ce serait ça. Mais là, je peux pas. Et j'ai topdecké le colosse de la lune. Regardez, c'est moi sur la photo. C'est moi, euh, donc on va commencer avec ça, ensuite on va faire un totem de base comme ça, le Totsuke, plutôt sympa faut l'admettre. Euh, Peut-être un autre totem, non c'est dégâts des sorts, qui okay, pourra pas. Euh, et on va trade juste ici, on n'a pas besoin de lui mettre de la pression parce qu'il va avoir à un moment donné où on ne pourra jamais gérer notre board. Par contre, il faudrait qu'on tombe deck du heal, donc soit les fontaines, soit Ziliax, soit les, euh, les, euh, les sorts à deux là qui peuvent te heal plein de fois, etc. Parce que, effectivement là, à tout le moment, on pourrait mourir. Ok, un petit éventail de couteaux. C'est bah, pas très dangereux, ça me... Sans grand frayeur ici... Ouh, ok... Je comprends mieux la petite, euh, la petite arme qui a tapé dans ma tête tour 1. Oh non Il va pouvoir gérer mon colosse dans à l'une. Non mais il va rester 1 Ok, nice. Aïe 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 Les gars Il va en rester 1 <laughs> Par contre ouais... Allez, là c'est le moment de topdecker le deuxième colosse faut lui montrer, faut, les gars, faut lui montrer hein. Là moi j'ai, moi je reviens euh, sur Hearthstone là depuis euh, une, petite, une petite période d'absence Parce que j'ai pas joué pendant deux semaines à cause de Dofus Ecoutez, qu'est-ce que vous je vous dise moi Dofus ils ont sorti, ils ont décidé, Dofus ils ont eu la bonne idée De sortir leur, euh, leur nouveau serveur euh... Ok donc ça, ça va dans sa grosse tête là BOM Et là il nous faut soit le taunt soit le heal, tout sauf la 1-1 Nice Voilà j'ai pas perdu la main, je vous ai dit ou pas euh, Toujours aussi doué. hein Allez, bon, tant pis pour notre euh, colosse. Colosse qui va s'écrouler, mais heureusement on en a deux. Heureusement, c'est pas de panique à se faire. On en a deux, mesdames et messieurs. Voilà. Euh, ok, ok. Peut-être qu'il pourrait nous faire ici euh, un gros un gros Cliff. Après, moi j'ai un deuxième là. Ok, il veut se heal un petit peu. Non non, 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 on va pas le laisser se heal. Hein. Non, 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 non. Moi, je te dis direct. Je te dis direct, il a de question. Oh. Ouais mais bon. Je vais faire juste... Euh, en vrai ça, mais... En vrai je peux faire ça. En vrai si... En vrai enfin, on peut le laisser celui-là un petit peu. Ok, vous savez quoi Je suis grand prince ce soir. On va le laisser celui-là un petit peu. Mais genre là, 1 un, un, c'est incroyable, on est abonné. Euh, on va le laisser celui-là un petit peu là. C'est pas grave, vous, vous savez, vous savez, moi je suis joueur. J'aime jouer avec ma proie. En tant que bon prédateur, j'aime jouer euh, avec ma proie. Donc... euh Là, il est il est, il est, il est, clairement encerclé. Là, il ne peut plus rien faire. Anka l'ensevelit. Ça ah, savez quoi déjà Change toutes les, tous les serviteurs avec d'agonie de votre main. Ah oui, oui, oui. Attends, j'ai joué ça au lieu de faire Eureka. Merde. Merde. Euh, du coup, euh, c'est chiant. C'est chiant cette histoire. Euh, du coup, comment on peut faire Séisme Oh putain, que enfer J'aurais dû faire Eureka. Après, je peux faire Eureka. J'aurais du maléfice surtout. Je, je voulais pas qu'il se soigne et je l'ai laissé soigner. Quel con euh... Après, en vrai, il est un peu dans la merde. Hein. En vrai, il est un peu dans la merde. En vrai. Ça va. Si je fais ça. Le rip-up de ça, ça meurt, ouais. Oh, ça meurt. Séisme, c'est plus dur à jouer, je vais jouer Séisme. Mais non. Le tot Bah évidemment que j'ai le heal maintenant. Comment ça Non. Pourquoi il joue ça Il a eu la même idée que moi Pourquoi il n'a pas un Scalibur Attends, mais il l'a dans son deck ça ou pas Il aurait dû mettre, remettre avec ça, ça aurait été marrant. Comment ça, remettre avec ça Il est toujours avec ça. Comme ça, remettre avec ça. Putain, j'ai trop mal joué Aïe 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 Non mais là, il s'est soigné de 100 milliards C'était pas cool on, 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 là... Oh ouais c'est moyen cette game, je <laughs> suis trop mal joué fuck ça c'était terrible là Aïe 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 je savais pas qui jouait ça, c'est très dur de jouer contre un deck que tu connais pas C'était très dur Non mais là notre adversaire était tellement malhonnête c'était vraiment désagréable hein. Comment, il a... Comment il a eu Colosse de la Lune Pourquoi il y a un Colosse de la Lune J'ai pas compris j'ai bugué en fait Pourquoi il y a un Colosse de la Lune dans son deck c'est bizarre non Allez, donne-moi euh, donne des trucs intéressants là. J'ai vraiment eu des cartes de merde. Je vais avoir Sylvana c'est tout moi depuis le début. Ok. Faire manœuvre, manœuvre. On va tuer ces deux trucs, sinon on va mourir évidemment. Il est remonté à 30, superbe. J'ai bien fait de pas maléfice à 3-4 par contre. Tout à l'heure ça c'était un bon play. Mm -mm 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 -mm. Rexar Tracker Ah, le Dekar Non, 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 ça fallait pas l'ajouter. Non, le Dekar Rexar était vraiment genre juste pas marrant. C'était. Tu pouvais jouer à un Dekar gros et battre n'importe quel deck contrôle en fin de partie. C'était juste pas normal. je trouve trop fort. Euh. Ok. Alors ça, ça peut que bien se passer. Fontaine. Sylvanas. Ah, superbe. Sylvanas quoi Je n'ai pas le temps de m'amuser. Yay! Yeah. Sylvanas Coursevent, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que tu vas faire, François Sylvanas Coursevent? Je vais garder mon euh, breuvage de sorcière pour me soigner à max. Je vais pas le faire pour me soigner peu parce que j'ai déjà joué un, donc il ne m'en reste plus qu'un. Ok. Pour bon, la sape également, hein, bien entendu, mais. J'ai les fontaines en fait qui, les 4-8 là qui heal euh, avec Fury des vents. Ça c'est bien ça aussi. Il est trop bien ce deck. Vraiment, je pense que ça va être le deck le plus sympa, le plus marrant à jouer. Après je sais pas si ça va être le plus fort. Hein. Je pense pas ça va être le plus fort, je pense pas en vrai. J'avais juste envie de de, de grid euh, du Ragnaros et de la Sylvanas dans le même deck. Je pense que le plus fort, là, là après on va jouer un petit peu, on va regarder un peu. Je pense que... Euh, c'est War tout ça qui me disait, mais à mon avis, ouais, le, le mage... Euh... Ouh eh? Et... Personne ne doit survivre. Oh non ah C'est la fin. <laughs> non, mami. De quand à Seville Ah, c'est la Max. OK, juste suis le Nous aussi on peut monter à 30 mon pote. Bon 26 nous. nous. Nous on est un peu moins talentueux mais c'est pas. grave C'est bien aussi. Pourquoi il y a Sylvanas aussi Ah oui mais lui aussi il est parti dans un full greasy mais c'est trop bien. Je vous conseille d'aller jouer tout de suite. Genre honnêtement euh, vous allez voir ça va être trop bien. Je vais, je vais sortir la vidéo ce soir. Et puis' je la toujours le lendemain. Je tourne toujours la vidéo un jour à l'avance. Mais là je vais la sortir ce soir pour que tout le monde soit au courant pour que vous allez jouer tout de suite. Parce que je pense que si vous jouez tout de suite vous allez profiter beaucoup plus. Parce que vous avez genre je sais pas combien exactement mais 10 légendaires, 5-10 légendaires gratos qu'on vous prête pendant 2 mois. C'est vraiment le moment d'aller profiter quoi, en fait, je veux dire. Euh, donc, euh, ça, est, le random 6 s'active d'abord avant, avant celui-là, donc c'est un peu chiant. Après, je pourrais utiliser ça dans quelque part d'autre si jamais il joue autre chose. Mais s'il joue rien, ça va, être, ça va être chiant. Oh waouh! Ok. Il a pas beaucoup de cartes dans la main, je m'en fous de ça. Et je suis remonté assez en HP pour ne plus être en danger de mort, et ça, c'est cool. Ou oh, une autre Sylvanas! Ok, ça, ça va là. Bim bam boum Et ça, ça va ici, évidemment Sylvain c'est trop dangereux Sylvain c'est trop fort, on peut pas laisser une Sylvain, c'est comme ça, bien entendu On peut-être faire ça en vrai C'est très très risqué, c'est une erreur je pense C'est trop très risqué ce que j'avais fait Par contre le taunt j'ai beaucoup chaté J'ai envoyé un message, hop Hop là! Ah, mais il traite même pas Sylvanas? LOL! Ok, il s'est dit, dit dans sa main c'est Sylvanas, du coup de toute façon on s'en fout, tu vois. Genre, je euh, risque rien, je vais juste lui bourrer la tronche. Par contre, là j'ai deux fontaines moi là-dedans. Manœuvre d'Agatha. Attends, je commence avec ça non? Oh! Par le feu, soyez purifiés! Vas-y, Ragnaros, attaque! Non! Non, Ragnaros! Iii, trop nul, le Ragnaros! Aïe, aïe, aïe! Me tue pas, bro! Allez, on est amis! On est amis! On se connaît depuis tout ce temps! Allez, so sois cool! Allez, il a l'air cool, il a l'air cool! C'est un bon, bro, c'est un bon, il a l'air cool! Alors, pourquoi il, est... pourquoi il a gris de la tête euh, le tour d'avance? Je sais pas, mais. Papa! Est-ce que je vous ai déjà parlé de mon idée de jouer voleur Enzot Est-ce que je vous ai déjà parlé ou pas Est-ce que je vous ai déjà raconté mon idée Parce que j'ai une idée de deck voleur Enzot qui est vraiment pas mal. Je vous ai déjà montré ou pas Là vous avez probablement aucune idée de quoi je veux parler, mais c'est un voleur. Non mais là c'est compliqué. Oh j'ai envie de mourir. Oh je suis tellement malheureux. Oh j'ai envie de mourir. Oh, c'est terrible. Aïe aïe aïe, il, était, il était 8 HP tout à l'heure Attends il est à 100 milliards Oh, ça fait bien un peu les gars Est-ce qu'il me tue Alors, En vrai jamais il me tue non Attendez, s'il fait trade, il a 5, 10, 13, 19, 22 Bon ok, ça se trouve des cons. ça se trouve il est cons. Oh putain il a vu l'étale, aïe 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 aïe, comment il a su ah il les a bien eu là, ah là là, j'ai rien pu faire, là il les a bien eu, là j'avoue vrai qu'il les a bien eu Aïe aï, 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 aï. aïe 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 Bon <laughs> Bon c'était pas, j'avoue J'avoue que je savais pas ce qu'il jouait Moi je pensais vraiment que c'était un voleur assez agressif Parce que au premier tour il a kippé sa... sa dague là, il est allé face Et du coup, enfin au tout début et du coup, je pensais que c'était un voleur agressif et, et je pense que j'ai pas bien joué. Hein. Je pense que j'ai fait trop d'erreurs. <laughs> okay. euh, bad, bad. Euh, en, euh, en tout cas, voilà, ça va être assez cool. Je vais pas faire. Euh, je vais pas laisser la vidéo durer euh, 10 000 ans. Ok, nice. Donc, gros jeu. <laughs> C'est complètement bugué. On va faire un jeu. Gagne un sabre en deux. Et en, devient un nombre, en devinant un nombre aléatoire entre un 1 et 200 dans le chat, vous pouvez spammer les nombres. Putain, excellent! Ça, c'est Dark c'est le boss, il offre des subs aussi sur le chat. Euh, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Le jeu a bugué, du coup, euh, superbe. Euh, en tout cas, ça fait trop plaisir. Bravo Blizzard pour cette décision d'avoir remis euh, Ragnaros, Sylvanas, storysan et toutes ces cartes incroyables et. Anthologique finalement, adversaire mystérieux, etc., euh, de Hearthstone, des cartes qui nous ont fait aimer et détester le jeu, mais voilà, qui étaient des cartes riches en, en émotion qu'a provoqué. Euh, merci, merci à eux, c'est vraiment excellent, je suis tellement content. Donc voilà, je vous fais cette vidéo, en tout cas, j'espère que vous kifferez cette vidéo, que vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, en tout cas, et puis euh, je vous laisse dans la description le lien du deck si vous le voulez. Et également euh, le lien de ma chaîne perso twitch.tv slash hello, je suis en live à l'heure actuelle, mais il y aura euh, des lives un petit peu tous les jours, ça va être assez sympa. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour euh, une prochaine vidéo avec probablement une vidéo un petit peu plus avec une décluse un petit peu plus réfléchie. Voilà voilà. Des bisous à tous, bonne soirée, bye.